Salut, comment ça va? Bon ben voilà, on attaque la dernière semaine de mon premier bloc. Comme d'hab, squat le lundi. Aujourd'hui c'est squat et c'est je crois qu'il m'a mis 60 kilos. Je crois qu'il m'a mis 60 kilos. De toute façon je vous noterai ça. C'est pareil dans la dernière, je vous ai dit que je vous mettrai les poids avec les reps et tout, et j'ai complètement oublié de faire ça dans le montage de la vidéo. Donc là, faut que j'y pense ce soir là, à vous mettre ça. Comme ça, je vous tiens, ça vous permet de voir les exercices aussi, ce que je fais, mais bon, ça change pas. Toujours les mêmes trucs, mais bon, ça, là, la charge du squat augmente, bah, tout augmente de toute façon. Et puis, c'est pareil. J'ai eu mon coach hier en vocal. On va peut-être tester sur un des trois mouvements, le max. Alors, je sais pas lequel encore, même lui. Donc on va tester pas sur les trois d'affilée parce que bon, je pense que ça va me cramer. Il veut faire ça un par un. C'est pas plus mal parce que comme ça au moins je me concentrerai là-dessus sur le seul mouvement pour faire le max. Voilà. Et puis c'est pareil, changement, je vais utiliser ma ceinture. Ma nouvelle ceinture, donc là je vais l'utiliser pour le squat. Je vais voir ce que ça donne, et puis voilà. Donc je vous emmène avec moi là. Moi je suis au boulot, je vais faire ma matinée, et puis voilà. Bon, bah écoutez, restez connectés. Je vous mets tout de suite les séances, je vous emmène. Et puis je vous reprends après pour mon ressenti. Et puis voilà. Ok? Bon allez, à tout à l'heure.
les amis. Bon, bah voilà, je suis ressorti de ma séance là. Je suis, comme j'ai dit à mon coach avant, je suis fatigué. Je suis à ma retournée cette séance là de squat. Pour faire les exercices secondaires, j'en ai chié. Pourtant, j'ai pas augmenté les poids, j'ai rien fait. J'ai laissé les poids de la semaine dernière, sauf au niveau du bûcheron et du lever de buste. J'ai augmenté, mais sinon, j'ai rien relevé à part le squat là. Bon, bah, les 60 kilos en émum, mais je me suis mais j'ai l'impression que j'ai ouais, je suis lessivé. Mais lessivé là, c'est là je vais manger, ça me redonne un petit peu la gouache là. Mais ouais, ça m'a bien cassé. Je suis sorti de la séance mais fatigué et au bout de ma vie quoi. C'est j'ai l'impression d'avoir tout donné. J'ai tout donné, donc c'est pas une impression, c'est j'ai tout donné et puis voilà quoi. Donc en espérant d'avoir bien fait le mouvement du squat et tout, avec la ceinture, avec ma nouvelle ceinture, je pense que oui, j'ai géré. Donc ça me maintient bien et tout. Franchement, c'est impeccable. Ça n'a rien à voir avec celle que j'avais avec les scratch là, celle de Decathlon. Rien à voir. C'est toujours la nuit. Bon, après, elle coûte le double, hein, voire le triple. De celle de Decathlon, donc voilà. Mais bon, c'est franchement ça, c'est bien. Franchement, ça elle est vraiment propre comme ceinture. Donc voilà. Bon, bah sinon, c'est tout. Je vous dis, bah, rincer de chez rincer. Je suis c'est limite. Ouais, je suis bien, hein, je suis encore bien, mais là. J'ai bossé, je vais encore faire mon après-midi et tout. Je pense que cette nuit je vais bien dormir. Donc voilà. Bon bah c'était tout. Alors le prochainement bah c'est bench. Attendez, je manœuvre. Voilà. C'est bench. Alors je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Demain non. Mercredi, je pense pas, peut-être jeudi. Jeudi et puis vendredi, ben ça sera deadlift comme d'hab. Parce que je bosse, je fais pas le pont moi. Et puis voilà. Donc si ça change, bah de toute façon hein, la vidéo elle sortira le jour où je l'ai fait. Et puis voilà. Bon ben bon après-midi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis à plus tard. Ciao.